Bonjour Madame Quignon. Bonjour. Dans quelques jours, la 31e foire agricole de Montdidier, un moment très important pour vous également en tant que maire. Oui, tout à fait, parce que la foire agricole, c'est le top départ des premières festivités que l'on peut faire en extérieur, en famille. Il y a des animaux qui sont exposés, il y a des produits locaux, régionaux qui sont vendus, il y a près d'une foire marchande qui est organisée, il y a des animations. Et tout ça se fait dans un climat convivial en plein cœur de Montdidier. De nombreux habitants de Montdidier attendent cet événement, mais il n'y a pas seulement ces habitants qui sont dans l'attente. Je crois qu'il y a tout un public plus large qui vient chaque année, hein. Tout à fait, vous avez des gens qui viennent du territoire de la Picardie parce qu'ils en ont eu l'information, parce que parfois ils connaissent quelqu'un qui habite à proximité, et on se rend compte que c'est aussi le temps des retrouvailles, c'est le lundi de Pâques. Et la chasse à l'œuf, je viens chez quelqu'un que je connais, je partage le repas de Pâques et je viens dans le cadre de la foire agricole déambuler. C'est ce qu'on constate de plus en plus fort chaque année et on en est très heureux parce que ça valorise notre ville et ça valorise aussi le monde agricole et ses agriculteurs. Justement, le monde agricole qui connaît des difficultés qui se sont fait entendre, c'est dans ce climat aussi que se déroule cette foire agricole, c'est partager un moment de convivialité avec le monde agricole. Oui, c'est partager un moment de convivialité, un moment serein et festif qui permet aux agriculteurs et à la Chambre d'agriculture de la Somme de communiquer sur ce qu'est leur métier, sur ce que sont leurs filières, sur ce que sont leurs difficultés, mais pas que. Généralement, comme on est sur un temps plus festif, c'est une approche un peu bon enfant. Les enfants peuvent venir voir les vaches, voir les moutons, voir les animaux, ils découvrent cet univers. Et on respecte cette ambiance bon enfant. Merci beaucoup, Madame Quignon. Merci, au revoir. Au revoir.